Salut les amis, à la vraie on se retrouve dans ma vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté pour la rentrée. Alors on commence par Carta parce que tout est dedans. Alors voilà le Carta. Il me semble que c'est, si je suis pas aveugle, Lollipops. J'ai pris un Carta au hasard qui fera le CM2 jusqu'à la 6ème. Ce qu'il y a à l'intérieur. On commence par la première pochette ici, là. Il y a juste un truc. Ça sent neuf. Alors, on a mes clés. Donc c'est très simple le système. Hein. Voilà, donc si vous voulez fermer votre clé, votre porte, non, parce que fermer la clé, c'est bon. Voilà, vous prenez celle-ci. Et puis après, vous remettez dans votre cartable. Avec ça encore. Et vous accrochez. C'est très simple. Et voilà. Ensuite, on va passer au deuxième. On a un grand ciseau que j'ai toujours pas dit. C'est bon. J'ai défait. Un grand ciseau bleu. Une trousse Ernest, avec des crayons feutres et des crayons, ben voilà, des crayons feutres comme ça, et des crayons couleurs comme ça, voilà. Donc il me semble que c'est tous des bics, c'est tous des bics. Ensuite, j'ai ma trousse que j'ai servie récemment, donc c'est Diddle, quand même. Donc des petites cartouches, un effaceur, des crayons d'ardoise, des bics, attendez, est-ce que j'en ai encore un autre? Mon stylo fou qui est hyper beau, tout bleu comme ça. Et j'ai des fluos, voilà. J'ai un autre ciseau tout petit, rose et bleu. Ta crème qui est de la CP, date de CP, une gomme m'appelle, la gomme, non pas l'âge de classe, les mignons, regardez, il est trop mignon, avec les yeux d'Angleterre, voilà, vous avez un crème que je n'ai pas encore utilisé, ça se voit, avec gomme, et voilà, donc après c'est que des crayons, oula, je remets tout, hein. Donc toutes mes fournitures scolaires ne sont pas tous dans mon cartable, car ici hier on a été finir mes fournitures. Donc après nous avons de l'école, voilà, poche de classe. Après nous avons un cahier à 192 pages Clairefontaine, une marque très chère. Donc voilà, avec comme ça, ça servira peut-être de cahier des sèches, je sais pas. Ensuite, nous avons un... C'est un... Non, pas un classeur, si. C'est un protège-document. Donc avec... C'est comme ça. Hein. Voilà. Après, nous avons un cahier de travaux pratiques. 120 pages. Je pense que ça servira pour le cahier poésie. Parce que comme vous pouvez voir, ici vous pouvez écrire la poésie, ici faire le dessin. Voilà, c'est trop bien. Après, bah, ici on n'a rien, on n'a plus rien. Encore la pochette. Alors là, nous avons des cahiers avec trois cahiers. Voilà, donc c'est à l'envers, pour éviter des abîmés. Donc voilà. Excusez-moi. Ici nous en avons d'autres parce qu'il en fait des 5 et c'était vendu par 3. Donc on en a acheté 6. C'est les moments, sauf que c'est
pas trop la même couleur. Après, nous avons un classeur à 2 anneaux. Non, 4 anneaux, mais bon, c'est pas grave. Il est tout rose. Et là, on peut marquer ce qu'on veut. Donc voilà, 4 anneaux. Après, nous avons des intercalaires pour mettre dans les classeurs. Alors, après, nous avons un autre protège-document. Cette fois-ci, il est rouge ou rose. Alors, il était violet, on voit pas bien. Et celui-là, il est rose. Rose. Protège-document. Là. Nous avons du canson. Qui remportera son rêve le plus fou. Donc voilà. Donc c'est des papiers quand. Oh wow. Alors j'avais. C'est du canson ça. Faut leur dire ça à mes parents, car ce n'est pas du canson. Peut-être qu'il faut ça, je sais pas. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que la rentrée va bien se passer. Allez, salut !